Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Nous continuons avec les exercices de base d'algorithmique afin de faire l'apprentissage du langage C dans notre série de formation. Alors, ici, nous sommes arrivés à l'exercice numéro 10 dans cette série, la série numéro 4. Dans cet exercice, nous allons voir comment réaliser un programme C qui permet d'afficher la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. On va faire quoi? On va lire l'exercice de l'énoncé de l'exercice 10. Il vous demande de réaliser un programme C qui permet d'afficher la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. L'affichage sera comme suit. Voilà. Donc ici, dans cet affichage, chaque numéro de ligne sera multiplié par le numéro de la colonne pour trouver le résultat. Par exemple, ici, 4 fois 2, on trouve 8. Par exemple, 9 fois 5, on trouve 45. Etc. Donc, on va voir comment gérer les espaces, comment faire la gestion d'espace ici, comment faire le décalage des chiffres et l'alignement des chiffres à droite. Donc, comment le 9, ce 9-là, il est aligné de cette façon-là. Par exemple, le 10, comment ce 0, il est aligné de 1 jusqu'à 9. Donc, il suffit d'utiliser le formatage de l'instruction printf. Donc, c'est ce qu'on va voir sans tarder avec la réalisation de cet exercice dans notre programme C. Alors, on commence en programmation. On va commencer par la première ligne. La première ligne, c'est cette ligne-là, la ligne avec un ensemble d'espaces. Donc, ici, nombre d'espaces, si on va voir le 10, si on considère le 10, le premier caractère, ça va être nombre de caractères, un caractère, deux, trois caractères. Après, ça sera le tiret. Donc, ici, nombre d'espaces pour la première ligne, ça sera trois caractères blancs, trois espaces. Après, ça va être le tiret. Donc, on va commencer par ça. Donc, printf. Alors ici, on va faire 1, 2, 3, et le quatrième, ce sera le caractère de barre. Voilà. Maintenant, pour les autres caractères, 1, 2, on peut continuer tout simplement, compter le nombre de caractères. Par exemple, on va faire 4 caractères, et le 1, c'est le quatrième, par exemple. Donc 1, 2, 3, et le quatrième, ce sera le 1. Après 1, 2, 3, et le caractère, ce sera le 2. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Mais ça, ce n'est pas pratique. La solution la plus pratique, c'est quoi? C'est d'afficher des valeurs printi, printf, i, la valeur de i, telle que i, c'est un décimal. Bien sûr, ici, il faut faire une boucle pour les valeurs de i allant de 1 jusqu'à 10, ça veut dire inférieur ou égal à 10. Ou bien, si vous voulez, inférieur strictement à 11, c'est la même chose. Donc, on va faire ce i-là, inférieur ou égal à 10. Donc, cette boucle. Donc, et le printf, ça va devenir à l'intérieur de cette boucle, voilà. Donc, si je laisse comme ça, les lettres i, les valeurs du i, ils seront concaténés. Donc, je vais compiler, je vais exécuter. Donc, ici, j'ai une erreur, pardon, la variable non déclarée, u indéclarable. Donc, il faut tout d'abord la déclarer ici, soi-disant dans la partie déclaration. Je compile une autre fois, normalement, il n'y a pas d'erreur. Si j'exécute, vous allez avoir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, etc. sont collées. Comment faire l'espacement? Tout simplement, il suffit d'ajouter ici, comme vous voulez. Si vous voulez faire 6 caractères, ça va être comme suit. Voilà. Donc voilà les 6 caractères. Si vous faites 4, ça va être comme suit. Pardon. Je compile. Je réexécute. Ça va être comme suit. Etc. Donc voilà la première ligne. La deuxième ligne, c'est quoi? La deuxième ligne, c'est pas ce 1-là avec les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 10. Non, c'est les tirés, la ligne de tirés. Donc, je peux faire, donc je vais copier cela. Bien sûr, pardon. Donc, et je vais faire les tirés. Donc, ici, 1, 2, 3. Donc, je vais faire 3 tirés. 1, 2, 3. Et je supprime ce bloc. Après, je vais faire des tirés. 1, 2, 3, 4. Et je vais coller les 4 des fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, ça va être comme suit. Je vais voir. Je compile. Je réexécute. Alors, le petit problème ici, c'est que nous avons oublié de faire le saut de ligne. Donc, à chaque affichage d'une ligne, on doit faire le saut de ligne. Et je vais le faire dans une instruction à part, comme suit. Voilà. Je compile. Je réexécute. Vous allez avoir l'affichage des tirés et vous allez voir que ça colle exactement avec le 10. Très bien. Alors, on va faire maintenant les autres lignes. Les autres lignes, ça sera un indice allant de 1 jusqu'à 10. Je peux utiliser la même boucle
pour afficher les autres lignes. Donc, je vais utiliser la même boucle. Voilà, je ferme ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire tout d'abord un saut de ligne, puisqu'on est ici maintenant. On est ici. On doit obligatoirement faire le saut de ligne pour afficher le 1. Donc, comment on va faire? Printf. Donc, n'oubliez pas cette instruction, puisque c'est important. Saut de ligne. Et je vais faire. Maintenant, je vais afficher la valeur de i. Donc, 1, etc. 2, 3, etc. Donc, comment on va faire? On va espacer le caractère. Donc, si on prend la dernière valeur de i, c'est 10, ça va être 1, 2, 3, espace. Donc, le chiffre, il est sur 2. On doit décaler deux caractères pour afficher la valeur de i. Voilà. Donc, on va faire ici deux décimales. Et ici, ça va être la valeur de i. Ah, donc, voilà. Donc, par la suite, on va afficher la barre, espace, la barre. Voilà, très bien. Ça c'est pour afficher cette valeur-là. Donc, la valeur 1, la valeur 2, etc. À partir de cette barre-là, on va afficher plusieurs valeurs. Ça sera une boucle de J. Donc, J, ça va aller de 1 jusqu'à 10. Et ce résultat-là, c'est le résultat, cette valeur-là, c'est le résultat de la multiplication de I avec J. Donc, ça, c'est 1 avec 2, 1 avec 3. Donc, on va faire une autre boucle. Je vais faire sur ligne. For J reçoit 1, J inférieur ou égal à 10, ou bien inférieur strictement à 11, c'est la même chose, J plus plus. Donc je vais faire inférieur strictement à 11. Bien sûr, n'oublions pas de déclarer la variable J ici, dans la partie déclaration. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher quoi? On va afficher avec un espacement, bien sûr. Donc ici D, donc l'espace c'est le même espace que nous avons utilisé. Donc ici c'est 4, ici je vais utiliser 4. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le résultat de i fois j. Voilà, c'est ça la multiplication. Donc je compile. Alors, il n'y a pas d'erreur, je réexécute et voilà la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Donc ici j'ai deux petites remarques. Donc la première remarque, comment je vais décaler cette table de matière vers le bas. Je veux cet affichage soit décalé par un ensemble, par des lignes. Donc, je veux afficher des lignes vides tout d'abord. Donc, ici, c'est très simple. Avant de commencer l'affichage de la première ligne, donc ça, c'est l'affichage de la première ligne. Donc, je vais faire des commentaires ici. Pardon. L'affichage de la première ligne. Avant de faire l'affichage de la première ligne, donc ça c'est l'affichage de la première ligne, ça c'est l'affichage de la deuxième ligne. Et ça c'est la boucle d'affichage des autres lignes. Et allons de 1 à 10. Voilà. Donc ici c'est l'affichage de la ligne numéro I. Donc à l'intérieur de l'itération, pardon. De la ligne numéro i. Voilà. Donc i ici prend les valeurs de 1 jusqu'à 10. Très bien. Ici c'est l'affichage des colonnes. Je ne vais pas commenter, c'est clair. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire avant de commencer l'affichage de la première ligne? Pour faire un décalage, il suffit de ajouter des lignes vides. Voilà. Donc vous faites les lignes que vous voulez. Donc si j'exécute. Donc ça, j'ai laissé un ensemble de lignes. Je vais réexécuter avec, je vais faire le double. Voilà. Donc vous allez voir la différence entre les deux affichages. Donc la différence, elle est où? Elle est au niveau de nombre de lignes que j'ai laissé ici. Voilà. Très bien. Deuxième remarque, la même chose, je vais faire un décalage, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur les lignes, sur les colonnes. Ça veut dire que cette table de matière soit décalée soit disons vers le centre, bien, quelque chose comme ça, vers la droite, avec un ensemble d'espace. Donc, on peut faire cette astuce. Avant de commencer l'affichage de chaque ligne, je vais faire un affichage de caractère blanc. Donc, par exemple, ici, 5 blancs. Donc, je dois faire la même chose pour les autres. Ça, c'est une astuce. Ou bien, si vous voulez, on va faire un formatage de nombre de caractères. Par exemple, ici, 5C, et je vais déclarer une variable x, par exemple, de type caractère, puisque ici, c'est C, c'est caractère. Donc, je vais déclarer ici, dans la partie déclaration, char x, et je vais l'initialiser à un espace. Voilà, caractère, espace. Donc, voilà. Donc, je vais afficher 5 caractères pour le C, ici. Je vais, pour la première ligne, la même chose pour la deuxième ligne. C'est après le saut de ligne qu'il faut le faire.
Et la même chose ici pour la ième ligne. Voilà. Voilà, donc vous voyez un petit décalage. Donc vous allez voir la différence entre cet affichage et cet affichage et le troisième affichage ici. Donc voilà l'affichage des trois matrices. Voilà. Donc ici sans décalage, ici avec un 3 lignes, ici 5 ou bien 8 lignes, etc. Plus un décalage vers la droite. Si vous voulez ajouter cet espace-là de décalage, donc il suffit de remplacer ici par exemple par 15 colonnes. 15 ici et l'autre ici c'est 15 aussi. Donc voilà, vous allez voir. Et je vais réduire cette fenêtre pour que vous voyez les quatre affichages de la matrice. Voilà. Donc vous voyez le décalage est plus grand ici. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris l'astuce. Comment nous avons joué avec les boucles, les deux boucles Mbreak for I for J et avec l'instruction print F afin d'afficher cette table de multiplication. Donc, une autre petite amélioration du programme. Ici, on affiche de 1 jusqu'à 10. Si on veut afficher une table de multiplication de 1 jusqu'à n, telle que n entre 1 et 10, il suffit d'ajouter une variable d'entrée dans votre programme. Donc, je vous donne ça comme exercice. Donc il suffit d'ajouter n comme variable. Ici, on ne va pas faire inférieur ou égal à 10, on va faire inférieur ou égal à 1. La difficulté réside où? C'est dans cet affichage-là, l'affichage des ces caractères. Il faut faire, il faut, pour les lignes, pour délimiter, pour s'arrêter par exemple ici, il faut s'arrêter par exemple jusqu'ici. Donc ici, ça c'est une petite difficulté. Vous pouvez trouver l'astuce comment faire. Donc j'espère bien que vous avez compris comment réaliser ce programme. Donc le prochain exercice, toujours on reste dans la série numéro 4, l'exercice numéro 11. On va voir comment afficher différents types de triangles en utilisant un caractère spécial, par exemple l'étoile. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien.